15 ans, 15 années, 15 ans les amis, mais vraiment 15 ans du coup, que déjà j'avais pas, attendez, on va savourer, on va savourer, on va savourer, hein. Mais ça fait déjà 15 ans que on n'avait pas entendu ce bruit. Pour ceux qui ont mon âge, hein. Ah, tu sais que c'est... Oh là 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 là. C'est parti. Ah, non, il n'y a pas de memory card ici. Il n'y a pas de memory card. Bandai Namco Games. C'est vrai que ça fait longtemps. Bandai. Spike! Criware. Ça y est, les amis, nous y sommes. Il y a des invocations ou pas? C'est le mec qui n'a rien compris. Comment ça, c'est en anglais? Comment ça, Dragon Ball Zito de Budokai Tenkaichi 3? Non, 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 y'a un problème là. Ah, les amis, c'est OST. Du coup, je sais pas jouer, hein. C'était il y a 15 ans. J'ai oublié les touches, hein. Je vais juste baisser le son un petit peu. Ok, on a oublié les touches. On ne sait plus comment ça fonctionne. Et puis voilà quoi. Ok? On ne sait plus. Ah, mais attends, c'est le truc des pompes ça. Oh. Ok, attends. Ah, le temps de chargement quand Vegeta il faut. Mais attends, y a pas Goku qui mange des ramen? Je vais mettre les voix en jap encore. Heureux. Je crois qu'il y a Goku, Vegeta qui fait les pompes et Goku qui mange des ramen, frère. Attends. Là, option. Oh là là. Attendez. Là, c'est nostalgie. On se remet les petites musiques là vite. Attendez, je monte le son. Ok, The Meteor, c'est le banger, ouais. C'est l'OST favorite. Après, t'es un vrai, t'en as utilisé beaucoup. Celle-là, j'aime bien celle-là. Celle-là? Ah les gars, mais mon cœur il bat trop vite.
Les gars. Ah mais, eh, mais tu sais que là, oh là 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 là. Ah les souvenirs de fou. Ok. Mais je crois qu'il y en a une, elle est incroyable. Mais attends, il faut tomber dessus. Mais ouais, non, mais je suis d'accord, le roi des pirates. Oh, t'avais, hey, t'avais ça en 2006. Eh, hey, à cette époque-là, les meufs n'existaient pas. Je dis les meufs, c'était dans la tête des garçons. Hein. Dans la tête des garçons. Tous ceux qui possédaient Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, on s'en foutait de sortir avec des meufs. On n'en avait rien à foutre des meufs. C'était pas notre priorité, frère. Notre priorité, c'était de vite rentrer à la maison. Pour vous, il n'y avait aucun problème. Notre vie, elle était clean. Il n'y avait rien du tout. Là, maintenant, les cinquièmes, ils ont un iPhone 11 Pro Max. Ça joue à je sais pas quel jeu, gros. Ah ouais. On a bien fait, bientôt fait le tour. Mais tu sais que je sais pas comment je faisais quand j'étais petit pour jouer tout seul à la console à des jeux non-stop. Il y avait pas d'online, ça n'existait pas le mode online, limite. Tu voulais jouer avec ton pote, il devait venir chez toi avec une manette de PS2 et la brancher sur ta Play et jouer, tu sais, avec l'écran séparé en deux, limite. Tu vois, avec l'écran scindé en deux, avec la télé, chacun sa moitié d'écran. C'était comme ça, gros. Ouais, j'étais sur la droite, j'étais en mode. Eh, ça n'existait pas, frère. Ah, il arrivait avec sa petite manette dans son sac à dos. Vas-y, on va laisser celle-là. Ah, c'est triangle pour retour. Attends. Ok. Non, oui. Inquiète, moi je sauvegarde autrement, moi. Donc scénario, combat ultime, tour du monde, duel, évolution Z, entraînement, données, bio de personnage. Alors attends, c'est quoi déjà les entraînements? Ça ressemble à quoi? Entraînement, combat. C'est important de s'entraîner tous les jours si nous voulons vaincre le mal, ok? Entraînement, combat. Si tu as du mal à exécuter les mouvements, tu peux t'entraîner. Ouais, ouais. J'en ai besoin, là. Non, moi, je connais plus les touches. Vas-y, on va faire simple. Ton guerrier se déplacera dans la direction que tu... Attends. Quand toi et ton adversaire sera assez proche, vous passez en mode combat rapproché. En mode combat rapproché, les déplacements sont légèrement différents. Si tu appuies sur la flèche du haut, tu te rapproches de ton adversaire alors que la touche du bas t'éloigne de lui. Ok, normal. Utilise gauche-droite pour te dire normal. Sprint. Utilise le joystick gauche et la touche X pour sprinter dans la direction de ton choix. Serre-toi de la flèche du haut plus X pour foncer vers ton adversaire et en bas. Si tu appuies sur X en mode combat rapproché, un sprint deviendra un pas en avant. Ok. En effectuant un pas en avant, certaines attaques seront imparables pendant un court instant. Cela te permet de causer un maximum de dégâts chez ton adversaire pourvu que ton timing soit bon. Si tu appuies sur gauche, droite, en bas, X... Oh, ça y est, ça commence les combos. J'avais oublié, quand on était petit, il y avait ça. Gauche, droite, en bas, X, triangle, triangle, carré, 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 X, L2, en haut, triangle, ah. Oh, tu faisais ça, ça te sortait un combo du futur. Oh, des grands trainings. Oh putain.
Ok, à gauche, droite, plus en bas, X, en mode combat pour approcher, ok. Tu exécuteras un pas de côté dans la direction choisie. Il y a trop de choses à retenir, là. Cependant, cela ne prend pas tes attaques imparables comme avec le pas en avant. Ok, c'est bon. Attends, j'avais oublié. Mais attends, mais il n'y a pas d'essai en... c'est un tutoriel. Voilà, c'est un diaporama. Les tutos de Budokai Tenkaichi 3, t'es pas dans le combat et ils te disent pas de monter et appuyer X. C'est un diaporama, frère. Ah ouais, d'accord. J'avais zappé ça. Mais si, à un moment donné, on pourra essayer. Enfin, si, tu pourras appliquer, mais que ce que t'as retenu dans ta tête. On est d'accord. C'est pas un entraînement axé sur le bail, c'est un entraînement libre et je devrais appliquer tout ce que les diaporamas m'auront montré. Y a pas de trucs spécifiques, tu vois. Je sais pas, à la tête de moi, quand on était jeune, on retenait tout ça. C'est pour ça qu'ils sont forts, les joueurs de Fortnite. Avec les constructions. À 12 ans. Comment on a fait pour retenir tout ça? Je les comprends mieux, là. Lorsque tu... Attends. Basique, ok. Lorsque tu es proche de ton adversaire, appuie sur carré pour lancer une attaque au corps à corps. Appuie plusieurs fois sur carré pour lancer une succession d'attaques. C'est ce qu'on appelle un enchaînement. Ok, les enchaînements sont la forme la plus basique de combat rapproché. Normal, enchaînement fatal. Appuie sur carré carré après le cinquième coup d'un enchaînement. Quoi? Attends, hey, j'ai 25 ans maintenant. J'ai 25 ans. Là, le Hakim 9 ans et demi. La vivacité par excellence. Attention, là j'ai 25 ans. Il faut un bac plus 8 là pour mémoriser tout ça. Appuie sur carré carré après le cinquième coup d'un enchaînement. Donc attends, carré 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 carré. Tu peux ensuite effectuer un enchaînement fatal. Appuie plusieurs fois sur carré pour asséner une série d'attaques qui propulsera tous les ennemis dans les airs. Sers-toi principalement de l'enchaînement fatal si tu débutes. Smash! Maintiens carré enfoncé pour charger un smash. Ok, ça je m'en souviens. Puis relâche carré pour exécuter un puissant smash. Maintiens la touche en... Mais attends, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec carré? Voilà, on peut préparer. Les gars, à tout moment, on nous dit avec carré, appuyez 28 fois sur carré et terminez avec la touche bas, ça vous prépare un plateau repas. La vérité. Votre téléphone va vibrer Uber Eats, notification, interphoné, étage 18, sonnez à la porte, numéro... Voilà, ça va débloquer quoi, gros? Wesh, avec la touche carré, peut-être je peux faire mon avenir. Putain, gros, wesh, tout ce que tu peux faire avec carré, gros. Va en entraînement libre. D'abord, je mémorise ça, après je vais en entraînement libre. Chaque chose en son temps. Maintiens la touche enfoncée jusqu'à ce que la charge soit complète, ok. Je te jure, avec la touche carré, tu peux gagner, tu peux finir ta vie. Pour propulser ton ennemi avec un smash chargé. Putain. Smash dans la direction de ton choix avec carré en haut. Attends, carré, en haut plus carré, en bas plus carré, ok, toutes les directions. Déplacement et attaque, appuie sur carré lorsque tu sautes, monte ou sprint pour lancer divers types d'attaques. Attends, mais tu peux tout faire avec carré, gros, je pète ma tête. Exerce-toi dans diverses situations. C'est bon, j'ai compris, vite fait, quoi. Je suis mort. Voilà, avec carré, tu fais tout le jeu. Mais comment on faisait, nous? Ok, non, tranquille. De toute façon, là, c'est en phase de découverte. Et après, il y aura le mode d'histoire, il y aura tout ça. Là, c'est tranquille. Parce qu'en fait, c'est les touches, c'est les mécaniques de 2006. C'est pas aussi instinctif que 2021. Donc, du coup, ça doit être des touches grave différentes. Au sol, appuie sur R1 pour sauter. Maintiens la touche R1 enfoncée lorsque tu sautes pour te déplacer dans les airs. Voilà, je vais jamais tout retenir. Hein. C'est comme ça que tu voleras. Monter et descendre. Lorsque tu es en l'air, appuie sur R1 pour monter. Et sur R2 pour descendre. Monter et descendre rapidement. Appuie deux fois rapidement sur R1 pour monter rapidement. Faisant autant avec la touche R2 pour descendre rapidement. Rappelle-toi que la montée et la descente rapide consomment du ki. Ok, j'ai rien compris. Venez, on va en terrain d'entraînement. C'est bon, ça me casse les couilles, frère. Oh la 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 la. Oh le menu de fou. Sangoku, début. Sangohan petit, Piccolo, début. Vegeta détecteur. Ah ouais, ça s'appelait Vegeta détecteur. Krillin,
Yamcha, Trunks épée, Trunks, Chaozu, Tenshin Han, Vegeta, Piccolo, Sangohan ado, Sangoku milieu. Alors, mais... Comment ça Sangoku milieu? Ça c'est Sangoku milieu d'arc? Ils ont pas mis arc sel, tu vois, non? Sangoku début c'est arc Namek, Sangoku milieu c'est arc sel, et Sangoku fin c'est arc bou. Ok, bah ça... Sangoku fin de carrière, bah il est là. Sangohan adolescent, il est là. Sangohan ultimate, Vegeta deuxième forme, Majin Vegeta, Sangoten, Trunks petit, Pan, Oub, Satan, Videl, et après c'est pas débloqué. Saibaman, Nappa, Raditz, Kaioshin, Yajirobe. Donc tu es génial, donc Tenshin Han, Ginyu. Mais attends, mais il y avait trop de personnages. Ginyu, Rikum, Barta, Jis. Ok, Guldo, Zarbon, Doria, Freezer. Première forme. Ah, ils ont fait l'effort là. Appuie sur Goku. Fin. Les gars, ça fait 15 ans on n'a pas joué à Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Laissez-moi savourer les menus, on découvre et tout. Ouais, appuie sur Goku, fin. Ah, vous savez pas profiter des bonnes choses, vous. Mecha Freezer, Apple, Kiwi, Soldat de Free. Mais qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Qu'est-ce que tu fais là? Je savais même plus qu'il était là-dedans. Mais t'es qui, toi? Cell, Cell Junior. Docteur Gero, c'est 19, c'est 18, c'est 17, c'est 16. Dabra, Bou Petit, Super Bou, Fatbou, Bardock, Garlic, Thales, Slug, Sauzer. Oh, mais il y avait trop de persos. Mais attends, mais un jeu comme ça sur PS5, un Dragon Ball Z All Budokai, PS5. Ah, Bojack, Zanga, Lodozo, Broly, C13, Metal Couleur, Couleur, Paikwan, Tapion et deux gardes, Baby Vegeta, Super C17, Shenron, Tao Pai Pai, il y a encore plein de persos à débloquer. Sangoku petit, Grand-père Gohan, je l'ai saigné Grand-père Gohan quand j'étais petit. Ok. Bah vas-y, on va prendre Goku du début. Comment ça personnaliser un? Ah ok, là j'ai rien. Normal. Ah mais attends, mais il y avait... Vas-y contre Yamcha, il faut qu'on tabasse Yamcha. C'est un peu le punching ball du bail. Ok, pleine midi, rocher de ville. Ah, celle-là, je pense que c'est montagne midi. Je l'ai saigné celle-là. Ruine. Arène. Ah, vas-y, on va prendre arène. On va prendre arène. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, je suis rainé, frère. Eh hey, mais le jeu il est pas moche hein. Non. Je suis égaré. Mais le jeu il est giga bien fait. Genre moi là je pensais que dans ma tête ça allait être moche de fou 2006 Mais attends. La seule chose que je me souviens, parce que j'étais un spammeur hein, quand j'étais petit, normalement, L2 en haut triangle, ça fait Kamehameha. Je savais. Ah non, c'est Kaioken, c'est l'attaque ultime. Ok, c'est l'attaque ultime. Ok. C'est la seule chose dont je me souviens. Mais par contre, mais le jeu, il est trop bien fait! Mais attends, mais vous m'avez dit charge R1, mais là j'appuie.
sur R1, mais ça me monte déjà. C'est quoi déjà? Attends. Ah mais non, c'était... Attends, les triangles, c'est Kikoa. Ok, charge Kikoa. Carré. Oh là là, mais ça, c'était une dinguerie. Uge. Mais je crois qu'il y a un combo infini avec ça. Il y a un combo. Attends. Genre tu fais ça, ça. Il y a un truc. Et après genre t'enchaînes et ça repart genre au moins pour 4-5 tours. Attends. Là, je sais plus comment on fait. On apprendra avec le temps, je pense. Ah, attends. Ah. Ah, et quand t'appuies sur triangle après, c'est surpuissance. Oh là 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 là. Vous savez, j'ai hâte de quoi? J'ai hâte qu'il y a les... Tu sais, les boules d'énergie qui s'entrechoquent. Je vous en avais parlé la dernière fois. Tu sais, quand tu fais ça avec ton joystick, il n'y a que les vrais qui avaient des ampoules. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a que les vrais qui avaient des ampoules au niveau des mains, frère. T'arrivais à l'école, t'avais des ampoules, gros. Tu faisais pas du sport, gros. Tu jouais à Tekken 3 toute la soirée. Faut pas faire semblant, tu faisais du tir à la corde ou... Ou tu faisais quoi? Ça te brûlait les mains? C'est les joysticks qui t'ont rafale les mains, gros. T'étais trop occupé à... T'étais trop occupé à balancer de l'énergie, là, sur ton jeu. Attends. Ok. Si je fais... Attends. Carré, 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 carré. Triangle. Attends. Ok, donc ça, ça marche pas déjà parce qu'il tombe. Alors, attends. Liste des compétences. L2 plus rond. Ah putain, mais c'est L2 plus toutes les touches, je crois. Putain, il n'y a que Lilian qui maîtrise. Eh, Lilian, c'est la seule personne sur cette planète qui maîtrise cette technique dans la vraie vie. Vous croyez, je rigole. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut la faire. Ok. Attends, morsure du soleil. Et on a... ok, Kamehameha normal. Attaque Kaioken. Ok, donc L2 en haut plus triangle. Kamehameha L2 plus triangle. Kaioken L2 en haut plus rond. Ah, ok, Genki-Dama. Oh, Genki-Dama. Attends. Kaioken. Merde. Ah mais c'est... Ah mais oh, mais c'était le Genki-Dama. Ah mais oui. Je me suis dit, mais attends, mais il va me sortir quel Genki-Dama? Mais c'est Eh, c'était trop cheaté ça. C'était le Genki-Dama en mode boule d'énergie. C'était trop fort. C'était trop fort, ouais. Ouais, c'était contre Vegeta. Ouais ouais, le tout premier. Ça, c'était trop fort. Putain, mais je comprends pas pourquoi ils veulent pas faire un... Vraiment, en plus, c'est un nom simple et c'est un bon nom, quoi. Dragon Ball Z All Budokai. Pour pas qu'il y ait de jaloux avec les Budokai Tenkenshi et les Budokai classiques. All Budokai, frère. Remaster. Disponible sur PC, Steam, PlayStation 5, Xbox Series et tout. Bam, frère. Tu mets une affiche comme ça. J'ai juré top vente. J'ai juré top vente. Mais ils sont pas conscients. Ils ont des community managers. Ils sont fatigués et tout. J'ai juré top vente.
Ah mais en Kaioken, y'a le combo qui t'emmène pas. Oh là là, oh là là, Ice King. Salto. Attends, c'est laquelle le... La technique de... Il y a une touche. Pour esquiver. Tu sais quand t'es dans le combo, la téléportation. C'est quelle touche quand t'es dans le combo? Je crois que tu dois spammer rond, non? X? Je crois que c'est rond. C'est X ou rond. Tu sais quand il te frappe, et après tu repars. Ah, c'est pas en Kaioken, mais c'est que quand je suis en énergie max, ok. Ah, mais attends. Mais attends, rond avec la flèche que tu veux, ok. Et comment je le suis dans les airs? Mais la vérité que vous êtes trop rodé, comment vous avez de la mémoire encore? Comment vous avez de la mémoire pour gérer ça? Ah oui, merci. C'est bon, mais c'était rond. Bah oui, mais en fait moi c'était pour esquiver, mais j'avais oublié qu'on pouvait attaquer. Uch. Ok, donc t'as rond. Ok. Tu peux enchaîner aussi. Tu peux dash, ouais mais dash avec X. Ok, dash avec X, attends. Mais voilà, c'est ça. Voilà, merci, c'était ça. Mais là, tu peux pas dash après ce combo. Genre là, je peux pas dash. Tu vois là. Tu vois, j'appuie sur X, mais ça dash pas. Triangle Shinny, ok, attends. Double clic, je pense. Ouais, je pense qu'il doit y avoir un double clic, hein. Attends. Attends. C'est pas triangle, du coup. Non, c'est pas double X. L2X deux fois. Ok. Ah, merci! Merci. C'est L2X, c'est L2X deux fois. C'est pas X une fois, c'est deux fois. Le une fois, ça arrête ton combo. Ok. C'est bon, vas-y, tu sais quoi, on va jouer. Attends, on essaye un nouveau perso, après on y va sur le mode d'histoire. On va apprendre à jouer de toute façon au fur et à mesure, mais c'est pour pas que... je pourrais pas apprendre tous les combos d'un coup. On se fait un dernier. Vas-y, tu sais quoi, Gohanado. Allez. Vas-y, vas-y, tu sais quoi. Ouais, mais après, t'as vu, j'ai pas envie de me respoil avec le mode d'histoire. Venez, on va direct au mode d'histoire. Puisque les personnages comme ça, on va les jouer dans le mode d'histoire. Venez, on les découvre avec les cinématiques, les petits trucs et tout qu'il y aura en plus. Comme ça, vraiment, on redécouvre tout dans le scénario et pas tout dans l'entraînement. Sinon, ça va nous gâcher le plaisir, tu vois. Ok, donc mode d'histoire. Bah, attends, je fais de la difficulté, on va faire normal, ouais, normal. Ok, arc 1, les Saiyans. Sashiburi dana, Goku. Et tu sais que... Vous le savez que moi, de base, je suis pas trop jeu rétro. Mais ces jeux-là... Je pense que ça va faire plus de rétro, hein.
Attendez. Ok, donc là c'est avec Raditz. Ça commence à Raditz, du coup. Deux secondes. C'est parti. Oh là 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 là. Attends, je vais augmenter le son un peu. Je vous laisse lire dans votre tête, hein. Je laisse le lire. L'affrontement au niveau Z commence. Non, je sais quoi, je vais le faire. Soudain, le Saiyan Raditz est apparu. Sangoku et Piccolo unissent leurs forces afin de pouvoir faire face à cet ennemi redoutable. L'affrontement en niveau Z commence. Ok. C'est parti. Je lirai quand le truc... Oh, 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 l'épée. Oh, j'avais oublié ça. Dans ma tête, quand j'étais petit, je pensais vraiment que c'était possible de retirer toutes les épées. Maintenant, je me rends compte à quel point j'étais con. Tu sais pourquoi je suis ici? Rends-moi mon fils! Tu oserais défier ton propre frère? Je n'ai pas de frère! Wow, 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 wow! Wesh, wesh, wesh. Mais wesh, wesh, wesh! Ah, doucement, j'ai pas joué depuis 15 ans, gros! Mais na... Mais... Oh, Raditz, tu... La tête de... Attendez, attendez, mais malmène. La vérité, mais malmène. J'ai pas joué depuis 15 ans, le mec, il est là en mode, je m'en bats les couilles que t'es pas joué depuis 15 ans. Ah, il a mis l'équilibre. Attends. Mais c'est bon, gros. Voilà, frère. Fais le malin, gros. Ça fait 15 ans. Des grandes attaques spé. Voilà, comment ça, comment osses-tu? Je vais te spam, tu vas voir, regarde. Putain, plein de... Merde. Oh, au karma. Putain, même sur Budokai, il y a le karma. Ah ouais, frère. Ah ouais, gros. Faut que j'arrête de parler. Le karma, il est fort, hein. Daijoubu? Piccolo-san! Piccolo-san! Mais je spam rond pour la TP. Voilà, bouge. Bouge maintenant, gros, c'est bon. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Je... Mais par contre, Goku, Goku. Ça, moi, ça, ça. Merde, j'ai mis pause en vrai. Ah, j'ai appuyé sur toutes les touches. Ah, ça. Ah, c'est pas les chili d'il y a 15 ans. J'ai appuyé sur toutes les touches. Ça m'a mis pause en plein Kamehameha. J'ai rien compris, frère. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le gros front à Lilouche! Tiens!
Oh là là. Ah, ça fait mal ça. Mais relève-toi, cousin. Mais c'est de la triche. C'est de la triche. C'est de la triche. Piccolo-san. Oh, cinématique. Faut le bon timing. T'as cru que c'était les... Ah oui, c'est vrai, le rond, c'est bisounours. Enfin, c'est... T'as capté. Sumanena. Par contre, les sous-titres, ils ont été faits avec Photoshop, hein. Je reconnais, hein. On peut savoir ce que vous chuchotez tous les deux. Saxen. Rakudazo. Non, on n'a pas de temps, Piccolo Makenkozapo direct. Tu vas devoir combattre seul et détourner son attention pendant que je me prépare. Pardon? Je suis un bouc émissaire, moi? Ah merde! Triangle! Rond! Triangle! Rond! Carré! Triangle! Oh le bâtard! Il me faut un Kamehameha. Vite! Allez! C'est bien ça! J'ai attendu, j'ai attendu! Kaioken! J'ai juré, je suis un spammeur. J'ai juré, je perds pas. J'ai juré, je suis un fourbe. J'ai juré que je suis un fourbe. J'ai juré que je suis un malin, mais j'ai juré maintenant que je suis un malinois. Par contre, elle est où l'animation du Makenkozapo là? Ah ouais, ils avaient pas fait d'effort à ce moment-là. Fallait R3 BG. Non, j'ai skippé l'animation. C'est les aléas du let's play. J'avais oublié que je devais appuyer sur R3. J'étais trop dans l'avancée, frère. Bon, après, vous connaissez la scène, Makenkozapo. Ah! Tu connais quoi? Ça va, pas grave? Pas grave, non? Pas grave, on connaît la scène, ça va. Il y en a encore. Maintenant, on sait. Maintenant, on sait, les gars. Tranquille. Ah, tranquille, maintenant, on sait. Sangoku Furmin. Le Saiyan Nappa possède une puissance inimaginable et nos amis donnent tout ce qu'ils ont contre lui en attendant l'arrivée de Sangoku. La dernière fois que j'ai entendu le mot Fulmin, c'était en 1925. J'étais même pas né, frère. Ok, laisse-moi m'en occuper. Il ne faudra pas plus d'une seconde pour les pulvériser tous les cinq. Taichob. Watashi ga kita. Donc, ok, donc je Tenshin Han là. Thank you.
Sale spammer, va. Moi aussi, je peux. Moi aussi, regarde, tiens. Moi aussi, gros. Quoi? Oh! Il m'a enlevé une barre de vie, gros. Quoi? Je crois que je suis obligé de perdre, non? Ah, mais non, je viens de m'en souvenir. Le peu de PV que je vais lui infliger. Et bah, en fait, ça va m'aider pour le combat quand Goku va arriver, non? Mais je suis obligé de perdre parce qu'il est trop fort. Oh, Makase, Masaka. Chaozu. Comment? Comment t'as pu faire ça, Chaozu? Ah! Non, par contre, la vie, c'est abusé. Vas-y. J'ai juré que je suis un spammer. J'ai juré que je suis un spammer, gros. Alors, bah alors. Bah alors. Bah alors. Bah alors. Et bah alors. Hein, même 15 ans après, hein. Ah ouais, t'abuses aussi du bail. Voilà, il est trop fort. Ah ouais, voilà qu'il est trop fort. Il m'a mis une pêche. J'ai vu Bob. Il m'a fait un coup de terre, j'ai entendu doum. Sangohan Piccolo-san, Nikero. Je vais tenter de le retenir jusqu'à l'arrivée d'Otto-san. Kudarane. J'aime trop faire le japonais. Date. Piccolo-san. Dragon. Nappa, il faisait trop le mec alors qu'il était éclaté sa mère. Voilà, je dis les termes. Gaki. Chut. Eh, je suis imbattable au jeu du joystick. Je suis imbattable, gros. Je recommence. Pleine puissance maintenant. Oh la, oh la, le qu'il a. Oh la, le qu'il a, gros. Non, il a une luck de fou. Mais... mais il a mis le Masekon dans le vide alors qu'il bougeait même pas. Gohan, 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 Gohan. Il bougeait pas. Il a mis... Mais j'ai juré que je vais lui glisser un Masenko maintenant, regarde. Voilà, c'est pas Masenko du coup. Mais je suis un spammer, les gars. Et... parce qu'en fait, il a équilibre. Tu vois ce que tu sais, c'est quoi équilibre? Ça y est, m'a saoulé, frère. Ça y est. Gaki! C'est qui vient maintenant? Non mais Piccolo, on t'a demandé.
Masaka! Sangoa! Le sacrifice de Piccolo. Pour ceux qui connaissent la fameuse scène du Piccolo quand il est comme ça, c'est bien celle-là, hein, j'ai pas envie de dire de la D. Hein. Quand il... Avec Gohan qui est derrière comme ça. Piccolo-san! Il était tellement fort Piccolo à ce moment-là, il était à son prime. Piccolo Namek, c'était Piccolo Prime. Entre Namek et l'arc Cell, après c'est fini. Oh, il a la haine, il a la haine, Gohan, je le sens. Tu l'as goûté le low kick? Par contre, le timing du, tu sais, de la téléportation en appuyant sur rond, il est dur à avoir. Ah, c'est bon, frère. Oh, Goku! Nappa! Ça y est, maintenant c'est fini! C'est fini les blagounettes. Les gars, vous avez pas besoin de spammer R3 dans le chat, je vais le voir à un moment donné qu'il y a R3. Si ça prend 30 secondes de plus, c'est pas grave. Qui s'en va là? Voilà, gros. On va commencer direct. Voilà, direct, voilà. Déjà, on va te faire comprendre. Je viens de revenir sur Terre. Comprends déjà. Voilà, déjà tranquille. On va commencer soft. Voilà, direct. Il m'a mis une balayette laser. Monsieur l'arbitre! Mais j'ai... Mais attends, mais j'ai juré... Non, par contre, je spam rond, mais y a pas de timing, hein. J'ai juré, c'est trop dur, hein. J'ai juré qu'il y a pas de... Non, par contre... Y'a Lusanae. Mes frères! Oh là là, en fait j'arrive pas à maîtriser la téléportation, frère. Tu vois comme là. Tu vois là aussi, j'ai pas réussi. Mais attends, mais... J'ai juré que je spam encore. Il me l'a contré. Ah bah voilà, frère. Mais j'ai... Et après, c'est moi le spammeur. Et après, c'est moi le spammeur. Et on dit pas ça à Nappa, quoi. Mais j'ai juré que viens. Mais viens ici maintenant. Oh là là là. Et bah voilà. Mais. Bon, les gars, on va jouer soft parce que vraiment, j'ai du mal.
Putain, mais tu sais que je suis en train de me dire, si là tu mets le Shinny de 2006 en face de moi, j'ai juré mais des patates, là en plein live. Là, là, avec mon corps là de 1m42. Tu vois le Shinny de 2006 là, 1m39, avec des habits Tony Boy, avec une veste sans marque. Tu le mets à côté de moi, gros, il me regarde. J'ai juré, il me met des patates. J'ai juré, mon regarde, il me fait, c'est comment là? T'arrives pas à faire carré, carré, triangle en bas, X plus L2, triangle en haut. À ton âge, la honte. Il me dirait des trucs comme ça, gros. Oh les dégâts! Oh les... Ah il avait ski. Allez rentre chez toi maintenant. Je t'ai juré, il me dirait ça à l'amateur. Mais là, je m'en fous un peu du skill en vrai. Moi, c'est juste redécouvrir un peu l'histoire et le jeu. Il n'est plus en état de combattre. Je t'offre une chance. Vegeta. Vegeta. Oh, tu sais que cet artwork de Goku il est trop beau. Théma le flow. Duel déverrouillé, les Saiyans, l'ultime combat, ok. Donc là c'est avec Vegeta. Les pouvoirs de Son Goku se sont grandement accrus, mais Vegeta est encore plus puissant. Xo! Shinny, quand tu joues avec un pote avec l'écran sondé et qu'il se cachait derrière un rocher, à vous tu trichais. Bah évidemment, j'ai des yeux, c'est pour regarder. Encore heureux. Et puis même, de toute façon, même si tu voulais pas regarder son écran, t'as des yeux. Donc techniquement, vu la taille de tes yeux et le champ que tes yeux prennent, bah même en regardant ton écran, tu voyais son écran. Et il te disait, arrête de regarder mon écran, sale tricheur. Eh ben excuse-moi d'avoir des yeux. Et que même en regardant mon écran, bah j'arrive à voir le tien, on n'a qu'une télé, sahbi. On n'a qu'une télé, ouais. Elle disait, mais arrête, wesh. Bah je sais pas, si je suis né comme ça, tu veux que je te dise quoi? C'était grave ça en plus. Putain, les écrans scindés en deux, vraiment, c'était... C'était un truc de fou, frère. Putain. Ah c'était trop drôle cette époque. C'est là que tu te dis qu'on se prend trop la tête Non, vous trouvez pas? Vous avez pas l'impression qu'on se prend plus la tête maintenant? Alors qu'à l'époque t'étais dans ta brechant, tu mettais Tenkaichi 3, t'avais aucun problème dans la vie. Enfin peut-être t'es daron, sûrement peut-être si on connaît pas les familles des gens. Mais toi dans ta tête sur l'instant T, quand tu réfléchissais à rien, tu te disais, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas les réseaux, on n'avait même pas encore Facebook à ce moment-là, il n'y avait rien du tout. T'avais un téléphone, ça te servait juste à téléphoner. C'était vraiment quelque chose en vrai. Hein. Le mec dans le chat, il a dit les connasses de meufs, toi, ça se voit. T'as eu des péripéties. Hein. Oh j'ai réussi. Oh le bâtard, oh le bâtard. Oh, ah mais vous vous souvenez de cette esquive? Ah elle était trop stylée frère. Oh putain,
Ça va trop vite. C'est un spammer, Vegeta, j'ai juré, c'est un spammer. Tu veux spammer, Vegeta? Tu veux spammer? T'es sûr que tu veux spammer? Tu vas voir, gros. Tu vas voir un Algérien qui spam. Tu vas voir. Ouais, Yosha, hein. Tu vas voir un Algérien qui spam. Allez, tiens, Kaioken. Allez, tu veux commencer, frère? Hein, tu veux faire des dégâts, nanana, tu spammes les techniques? Tiens, allez, hop, Kaioken. Là, on va recharger. Je t'annonce ma prochaine technique. Genki-Dama, frère. D'accord? Regarde. Voilà. Non, mais mets-moi tes Kikoa. Y'a pas de problème. Genki-Dama. Y'a pas de souci. Regarde, tu vas mettre un coup. Regarde, hop là. Hop là. Hop là, vas-y, regarde. Viens, viens, viens. Viens, Vegeta, viens. Viens. Tu veux pas venir, Genki-Dama? Pardon? Pas. Mais attends, mais je suis en normal ou en très difficile, là? Mais je suis en normal ou en très difficile, mais on est où? J'ai juré que je vais mettre en facile. J'ai juré que je vais mettre en facile. Frère, je suis imbattable. Je me suis niqué le dos de la main, frère. J'ai juré avant le R3, je te remets un Genki-Dama. J'ai juré avant le R3, je te remets un Genki-Dama à pleine puissance. Bon, ok, je vais R3. C'est les aléas du direct. On peut pas tout réussir du premier coup. Quoi? Masaka Olewa? Et il a spammé 3 fois sa spé, j'ai juré je vais t'en mettre 3. Non, par contre le jeu il est vraiment dur, le chat. J'ai juré. Je l'ai pas eu. Non mais il a esquivé 3 Genki-Dama, frère. Non, j'ai juré, le jeu, il est dur. Il est facile, wesh. Quand t'as 11 ans et demi, il est facile. Quand t'as 25 ans, il est dur, gros. Mais t'esquives pas aussi. Mais tu me vois pas, je mitraille ma manette. Je mets que des ronds. Je mets que des ronds depuis tout à l'heure. Mais en fait, faut pas spammer rond pour esquiver. Faut utiliser une seule fois rond avec le timing. On est d'accord? On est d'accord, faut pas spammer rond. C'est au moment où le coup il va me toucher, une seule fois rond plus la direction, téléportation. Et faut un timing, les frères. Hein. Lui il me l'a fait 13 fois, mais c'est l'ordinateur. Hein. Moi je suis pas un ordinateur, heureusement. Je suis pas un ordinateur, moi. Non mais je vous jure, il est pas évident à prendre. Parce qu'en fait Il est comment vous dire, voilà que je trouve pas d'excuses. Que en fait il est pas instinctif pour notre époque à nous, le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, je sais pas si y en a, vous voyez vraiment où je veux en venir. Il est pas réellement instinctif. C'est quand même, il y a un jeu, il a plus de 15 ans, frère. C'est pas... Et on a 3 plays de différence. Même si j'ai joué il y a 15 ans, c'est comme si j'avais jamais joué, quoi. C'est bon, on s'en fout de ta vie, Vegeta.
Ah putain, c'est vrai, le rond au moment où il y a la boule. Mais comment il esquive tout? Putain, là j'ai raté, tu vois. Eh, mais tu sais que le timing il est trop dur à avoir. Parce que vous croyez c'est juste direction rond et ça t'esquive. Mais c'est en fait c'est au moment où le coup il va toucher ton corps, frère. Ça va trop vite pour mes yeux. Je suis trop vieux. Je suis trop vieux, vraiment. Oh, j'ai réussi. Qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur, gros. Mais vas-y, tu mets des Kikoa, mais moi aussi je sais mettre des Kikoa. J'ai appuyé sur rond là, j'ai essayé, ça a pas marché. Ah putain. Merci Straf. Wesh Inis avec. Attends, wesh Inis, ça fait quel plaisir de voir ce jeu. Ça va ou quoi Straf? Merci pour le 9ème mois, merci beaucoup. J'ai un peu plus de vie que tout à l'heure. Et dire que c'est Yajirobe qui a carry cet arc. C'est Yajirobe la carry cet arc, je suis un peu plus. Mais la tête de moi que non. Wesh, ça fait mal, frère. Ah ouais, mais quand j'étais petit, j'avais pas peur du danger, frère. C'est pour ça que j'avais cassé ma manette directement, frère, quand j'étais petit. Manette de PS5, je vais pas la casser, frère. Ah ouais, mais quand j'étais petit, j'étais un danger public, frère. Oh là là. Là, mais là, je perds encore, hein. Je dois recommencer, hein. Ah mais ouais, bah ouais, j'ai perdu. Perdu, frère. Ah, c'est trop dur. Je vais mettre en facile. Je spam, hein. Je vais tenter le spam, hein. Je sais pas si ça passe, mais non, ça passe pas. Là elle a... Ouais bah ouais mais là elle a tout son truc. Je suis trop proche, je peux pas esquiver, je suis trop proche. Non c'est trop dur les gars, j'ai juré c'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur. Ah je réessaye une dernière fois si je me fais soulever Ça va finir en facile. Hein. Si tu mets en facile et tu perds. Mais moi, j'ai jamais eu de honte hein, de perdre hein, dans un jeu vidéo. Hein. Oh, Joem! Joem, alors déjà, de 1, Joem, tu me laisses tranquille. D'accord, Joem? C'est-à-dire, tu me laisses tranquille. Et si t'es pas content, Joem, t'allumes ta PS2, gros, et tu joues, frère. Il y a de la place sur cette plateforme. Tu veux montrer un gameplay skillé?
tu lances un live. Je peux même te diriger vers le tableau de bord pour récupérer ta clé de stream. Ok? Et tu fais, dans le titre, un meilleur gameplay que Shinny sur Budokai Tenkaichi 3, frère. D'accord? Laisse-moi tranquille, je m'amuse. Après 15 ans, ça me fait plaisir. Attends, mais si je dis pas de conneries, le Budokai... Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a maintenant, Vegeta? Ça passe sur un Genki-Dama, je le sens. Ah putain! Tu spam? Ouais, je spam. Ouais. Ouais, je suis un spammeur. C'est bon? Je suis un spammeur, gros. Oui. On m'appelle le spammeur né. Allez, dans ta mère maintenant, j'ai esquivé sa spé. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, hein? Pourquoi? J'ai joué, je perds pas! Le Shinny 2006, il va revenir! Je sens plus mes doigts. Bismillah. Oh l'enculé. Mais non, mais voilà, je me suis fait niquer. Oh là là. Il a esquivé mon Genki-Dama, il a... Ah putain, il s'est téléporté, il m'a mis sa spé. Et qu'on me dise pas, c'est facile, nanana, j'ai juré, c'est dur. Je suis trop proche, je peux pas esquiver. C'est trop dur. Wesh, wesh, wesh! Ok. C'est malaisant. Kisama wa! Ore wa Goku desu! Ozaru! Ok, les amis. Shinny Tai! Abdallah Kun. Abdallah, t'as changé, hein. Je te pensais pas comme ça en soir de pleine lune, hein. Abdallah, t'as changé, hein. Par contre, lui, je crois, s'il prend un Genki-Dama, il prend cher, hein. Bismillah. Let's go! Oh là là, je savais. Ah mais il a récupéré toute sa vie. En fait, faut que je spamme les Genki-Dama. Parce que là vraiment, il a récupéré toute sa vie, c'est compliqué. Normalement, c'est bon. Let's go! Merci Océane. Quel nul. Pourquoi tu te subs pour dire ça? C'est pas bien.
Attendez, parce qu'en fait, comme il a... Ok, c'est bon. Parce qu'en fait, comme il s'est remis full vie, j'avais peur de jouer skill et mourir, tu vois. Quoi? Un joystick? Ah, c'est rond. Rond. Carré. Rond. Rond. X. X. Ok. Salut Takizawa. Oh, je t'ai niqué. Le petit pas de côté. Et me parlez pas de skill maintenant. Classe. Me parlez pas de skill. Certes, j'ai fait 5 Genkidama. Mais là, le dernier coup, le petit pas de côté. X Genkidama, il était incroyable, frère. Allez, bouge de là, frère. C'est mon attaque préférée. C'est mon attaque préférée. Voilà, vous allez voir que des Genkidama tout le let's play. Oh, vous allez voir que ça, gros. Oh, sur YouTube, ils vont me dire si c'est pour faire un jeu 15 ans en arrière et faire que des Genkidama, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, ça fait quand même plaisir de voir du Tekashi 3 sur YouTube. On les connaît. Eh, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, d'accord. Il y a un moment donné dans le let's play, quand je vais commencer à devenir beaucoup trop chaud et il n'y aura plus de Genkidama. Ok, Sangohan et Krillin devraient déjà être en route pour la planète Namek. Sangoku est sûrement arrivé. Dommage, on n'a pas vu la scène avec Yajirobe. Sangoku et Carotte? Je n'y comprends plus rien. Bah oui, Sangoku, c'est Carotte. Allô, on se réveille là, Vegeta? T'es bloqué où là? En quelle année? Dragon Ball. Grâce à Sangoku, la Terre est sauve. Comptant sur les boules de cristal de Namek pour ressusciter leurs amis disparus, nos héros gagnent l'espace pour terminer le combat. Qui? Des super guerriers ou de Vegeta s'empara des boules de cristal? Ou bien peut-être... Freezer. C'est bon. Je pars pour la planète Namek. Toi, j'attends ici. La prochaine que le son verra, d'accord, et le français, on l'oublie. Hein, les traducteurs, la prochaine fois. On oublie des mots. Un type dangereux, peu importe, tu restes là. Même moi ne peux pas rivaliser contre le commandant Ginyu, alors ce Carotte n'a vraiment aucune chance. Je vais me chercher une canette de coca, j'arrive. J'ai remis en normal. C'est bon. Même Vegeta, qui sort d'un difficile combat contre Sangoku, ne peut rien face au commandant Ginyu. Sangoku arrive sur la planète Namek, il connaît la situation et devra faire le vide en lui pour se battre. Ok. Donc là, on commence l'arc Namek. Goku, je sais que tu ne fais pas le poids sans même t'affronter. Attends, mais il se bat contre qui, Rikum? Ouais, c'est Rikum. Ah.
que je lui insultais sa mère quand j'étais petit, lui. Hein. Je vous dis, il a vraiment une sale tête. Hein. Il a vraiment une dex. Lui, il prenait cher. Hein. Le Shinny 2006, il lui faisait aucun cadeau. Hein. Je préfère le gameplay du 3, il est plus nerveux. Ah mais t'as pas compris toi. En fait Tenkaichi 3 c'est mieux que Budokai 3 en termes de gameplay, c'est normal parce que c'est sorti bien après. C'est juste que je pue la merde. Donc en fait tu vois pas de gameplay nerveux. Mais si j'avais été bon, tu verrais full combo, full enchaînement, full truc. Mais comme je pue, eh ben tu verras que des attaques spé. C'est pour ça qu'en fait t'as l'impression qu'il est pas nerveux le jeu. C'est tout. Et c'est reparti pour un tour. C'est sûr que si tu vois ça mon frérot. Mais la vie de ma mère, toi tu fais des kikoa comme ça. Mais la tête de moi, tu fais des kamehame à 1 mètre. Tu veux goûter les kamé. Non, parce que attendez. Vous avez vu l'effort que j'ai fait là? Vous avez vu ou pas? Vous avez vu l'effort que j'ai fait? J'ai essayé de maîtriser, j'ai commencé à faire des combos, des esquives. J'ai essayé de maîtriser, il m'a fait des kikoa au corps à corps. Bah tu vas voir maintenant les kikoa au corps à corps. Mettre des kikoa au corps à corps. Tu vas voir S-Gang. S-Gang au corps à corps, tiens Genkidama gros. Tu vois, moi je suis en train de faire des efforts pour la communauté, mais toi t'es là, tu veux me niquer. Tu vas voir, qu'est-ce qu'il y a maintenant, hein. Allez, ça part, allez Genkidama frère. T'es pas content. Ah ouais, t'es là, on fait des efforts de gameplay là et les gens ils abusent de notre patience. Ah ouais, ça commence comme ça le combat, hein, Kikoa direct. Attends, là par contre, je suis obligé de... Attends, vous savez quoi, on va faire un truc simple. Déjà, je vais charger un Genkidama au cas où, d'accord. C'est le mec, il a peur. Déjà, on cherche un Genkidama au cas où. Voilà, comme ça on est bien. Technique d'enchaînement. Voilà, déjà, comme ça, là, on va dire. Alors, 4 fois carré triangle, chargeable. En haut plus triangle pendant l'enchaînement, ok. On va essayer ça, déjà. Mais toi, tu veux faire... Oh le bâtard, oh le bâtard. Oh le bâtard, il m'a niqué. Voilà, bon portant, je mets pleine puissance. Charge un Genkidama au cas où. Est-ce que c'est un peu mieux là? C'est un peu mieux? Ça va arriver. À un moment donné, il y aura plus de spam. Ça va arriver. Là, vous avez vu, j'ai pas parlé pendant une minute. J'ai essayé de faire des combos et tout. Mais faut que je me concentre. Mais ça va arriver à un moment donné. Je vais mieux me débrouiller. Faut juste que j'arrive à trouver le timing. Ça va être un peu compliqué, mais quand j'aurai le timing d'esquive.
Par contre, toi. J'ai du mal, vraiment j'ai du mal. Par contre, quand on était petit, on était vraiment fort hein, pour connaître les timings par cœur, non? Parce que moi, je me souviens vraiment quand j'étais petit, vraiment pas de vanne et tout. Bon, un petit Genkidama quand même pour m'aider. Hein. Parce que là, la vie, il commence à se distancer. On était vraiment fort au niveau timing pour le coup. T'as la vivacité d'un jeune de 10 ans, elle a rien à voir. Hein. Je pensais jamais... Ah merde, j'ai refait Genkidama, je suis désolé. Oh, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Et le pire, c'est que c'est vrai. Mais personne va me croire dans le chat, tout le monde va me dire nia, 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 tout ça. Mais le pire, c'est que j'ai vraiment pas fait exprès, c'est un réflexe. Ça veut dire mon cerveau, il a Genkidama à ma place. C'est dans mes veines, ça y est, les gars. Dans mes veines, les... Je te jure, c'est ça de jouer à Dokkan Battle, les gars, j'ai plus de réflexe. Parce que Dokkan Battle, tu vois, tu peux commencer un event, tu peux aller faire caca, tu peux aller faire les courses, tu peux aller en Algérie, tu peux revenir, tu ouvres ton jeu, t'es au même endroit, au même moment. Donc t'as vu, t'as le temps. Non, vraiment, moi, les jeux de combat, les gars, je suis trop nul. Hein. Les jeux de combat comme ça. Hein. Les versus... Les versus, je suis vraiment nul, la vérité. Je suis trop nul. Mais ça me fait trop plaisir de live sur Budokai Tenkaichi 3. J'espère que ça vous fait plaisir aussi, en vrai. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans la commu, vous aussi, vous avez découvert Budokai Tenkaichi 3, tu vois. Enfin, je sais, il y en a beaucoup, ils m'ont dit sur Twitter, ouais, moi aussi j'ai joué quand j'étais petit et tout, tu vois. Donc, tu sais, le temps d'un instant, retrouver tout ça, là, c'est vrai que ça fait... C'est pas la même ambiance des autres lives. J'ai l'impression d'être un gosse. Freezer est foudrage de ne pas avoir vu son vœu exaucé et de s'être fait doubler par Krillin et Sangohan. Il affronte les super guerriers de son extraordinaire puissance. Salut Prince Willy, je suis content que ça vous fait plaisir les gars, vraiment. Content. Mais on essaiera, si vous voulez, en vrai... Sur Storm, ça va encore, t'es bon. Après, t'as vu, on a fait les 4 Storms. Au début, j'étais vraiment éclaté, ça se foutait de ma gueule. Mais après, ça va, ça allait. Mais en vrai, je viens d'y penser. Ah, mais je joue Freezer. Je viens d'y penser, mais en vrai, selon l'engouement, en rapport avec les lives et tout, peut-être que après l'arc Demon Slayer, il y aura l'arc Football Manager. Mais on fera sûrement un arc Burst Limit. Parce que j'ai jamais joué à un jeu Dragon Ball après Budokai Tenkaichi 3. Non. Raging Blast ou Burst Limit, un truc comme ça, j'y ai jamais joué. Donc en vrai, ce sera peut-être l'occasion de faire les modes d'histoire de tous ces jeux-là. En plus, ils sont gratuits sur l'émulateur. Pour le coup, j'y aurais jamais joué. Donc ce sera un let's play, pas en mode nostalgie, parce que vraiment, j'y aurais jamais joué. Bon, il a quoi comme attaque, lui? Ah ouais, c'est fort, hein. Attends, j'ai mal vu. Il a quoi comme attaque? J'ai mal vu. C'est quoi, déjà? Ah ouais, la boule d'énergie, ouais. J'avais mal vu. Attends, et si je fais L2 triangle? C'est quoi, déjà? Ah, ok. Je vois, il y a peut-être du vrai dans ce que tu dis. Transforme-toi, Frieza. Pourquoi ne nous montres-tu pas ton véritable pouvoir? Puisque tu es pressé de mourir, je vais te montrer de quoi je suis capable. Yokumite! J'aime trop parler comme Madara alors que c'est Freezer, frère. Yokumite!
Putain, la prochaine forme, il va se transformer en Lilian. C'est quoi ça, Spi? Ah ok, c'est comme ça, d'accord. Ah ouais, c'est fort, hein. Ah, mais je viens de capter un truc. Ah, je viens de capter un truc. C'est qu'en fait, tu vois, quand il disait carré, carré, en bas, triangle et tout. En fait, les combos, ça se fait avec ça. Et moi, je faisais en bas et à gauche et à droite avec ça. Tu vois? C'est pour ça que je vous disais que c'était pas instinctif. Moi, je me disais, si je fais bas ici, ça me compte pour bas, tu vois? Mais en fait, je dois lâcher mon joystick et bas avec ça. Et gauche avec ça. Sinon, ça prend pas en compte le combo. Tu vois? C'est les flèches directionnelles. En fait, le joystick, c'est juste pour bouger. C'est pour ça que je me disais, ça veut pas partir, mes combos. Ok. Attends. Ah mais attends. Attends. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, c'est bon. Il faut 1, 2, 3, 4, 4 carrés. Du coup. Mais attends, jure, je le tue sur ces trucs là. Ah, c'est parfait. Ok. Il a commencé avant, il a commencé avant. Il a commencé avant, c'est de la triche. En fait, le combo, il a déjà commencé que je me suis pas mis en position manette. Putain, il faut que je prenne du recul sur ma chaise. Faut que je prenne du recul. Le temps que j'ai posé ma main, il avait déjà 20 combos d'avance. On est où, là? Oh là là! Oh le fils de... Et après vous me dites c'est moi le spammeur, hein. Regardez ce qu'il fait Gohan. C'est le gros rageux. Et après c'est moi le spammeur. Bah la tête de moi que Gohan. Oh, j'avais esquivé en plus. Je suis vraiment trop nul, la vérité. Mais en fait, c'est trop nerveux. Comment tu veux maîtriser le timing pour rond? Tu vois, là, j'ai pas réussi une seule fois. Le gameplay, il est trop nerveux, ça va trop vite. Je vais perdre encore, je vais perdre, le gameplay il est trop nerveux. Vraiment, je vais pas vous mentir, j'arrive pas à suivre. J'arrive pas à suivre, ça va beaucoup trop vite.
J'ai pas pu sur R3, la cinématique elle s'est fait tout seul. Lilian 31? OMG les louches. Non là il se fait tarter le cul par Piccolo et après il se transforme en troisième forme et après il tartine Piccolo. Non, Piccolo, il est bouillant là. Non, Piccolo, il est bouillant là. Non, Piccolo, il est chaud là. Ah, c'est trop dur. Oh, je transpire. Regardez là, je spam rond. C'est trop dur, j'ai juré, c'est dur. Je pense en off, je pense pour le prochain épisode, vraiment, je vais aller en entraînement, je vais tout lire. Et je vais tout... Je vais tout lire et mémoriser les combos et les timings et tout parce que là vraiment c'est très très dur. Attendez, j'ai besoin d'une pause, vraiment je transpire de fou là, il y a trop de choses à savoir. Faut rester appuyé sur rond. Non ! Sérieux Rezouz ? Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Fallait appuyer sur juste pas mes roues. Attends, je crois que c'est ça. Attends, j'espère pas. J'ai juré, faut rester appuyé. J'ai juré, faut rester appuyé sur rond. Ce que je me suis dit. Depuis tout à l'heure, je me dis. Putain, le Shinny de 2006, comment il faisait déjà? Putain, il était rapide, hein. Le Shinny de 2006, mais comment il faisait le Shinny de 2006, quand même? Parce que j'ai 25 ans, mais je suis pas trop vieux, t'as vu? Comment il faisait pour esquiver tout le temps? Ah là là là, en fait, fallait spammer rond, en fait. Ok. Putain, en fait il était pas si vif que ça le Shinny de... Mais bouge de là on t'a dit. Non par contre Piccolo il est vraiment fort. Non mais Piccolo. Bah ouais j'ai... Trop tard. Non par contre la Piccolo il m'a fait un enchaînement Starfall là frère. Ah mais c'est fait exprès que je perde. Je me suis dit il est fort.
Ah, c'est dans le scribe, bah oui. Je suis obligé de me faire tarter, je me suis dit, il est un peu beaucoup fort quand même. J'appelle le front à Lilian. C'est pas encore. Merde. Mais attends, mais comment c'est possible ça? C'est bon, maintenant je maîtrise. Voilà, je suis mort. Mais là c'est pas dans le script là, je dois le battre là. Là, j'ai pas perdu, je dois pas recommencer. Non, normalement là il se relève, Lilian 31. Il faut tenir jusqu'au prochain skip, ok. Il était fort Piccolo, hein. Il était vraiment fort Piccolo. Voilà. En fait, faut rester appuyé sur rond, mais il y a quand même un timing à respecter. Merde, je l'ai fait quand il bougeait. Ah, j'ai touché quand même. Ah ! Il a esquivé. J'ai pas esquivé. Non mais frère. Et le R3, il est où le R3? Le R3? Mais ah, oh, ça y est frère, j'ai juré, le jeu il est trop dur. La vérité, il est trop dur. Le jeu il est trop dur frère. Voilà, il y a que un enfant entre 9 et 14 ans qui peut faire le jeu en difficile, frère. J'ai juré que c'est pas possible. À part avec un entraînement intensif. Il n'y a que les enfants entre 9 et 14 qui peuvent le faire, frère. Oh là là. Le jeu m'a surtout me fait rappeler que je peux pas le faire à mon âge. Mais comment je perds ça? Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que le temps que je mets ma main sur les joysticks, j'ai déjà perdu 25 combos. Je comprends mieux pourquoi j'avais des ampoules, frère, et que j'avais des mains de maçon à 9 ans et demi. La vérité, frère. Ah ouais, et comme je l'ai dit, hein, la vérité, quand on avait 9 ans, on n'avait pas peur d'avoir mal, hein. On se foudroyait la main, on n'en avait rien à foutre. Attends,
Allez. Oh, je lui mets un coup de la corde à l'ange. Oh là là, mais c'est qui ça? Voilà, je fais tout ça, y a rien qui passe. J'ai pas réussi à esquiver, putain! Tranquille. Ok, l'avant Lilian. T'as une fessée Kenzan, gros. Voilà, ça spammer va. J'ai l'impression de voir Shinny, gros. Ah ouais, gros. Moi quand je spam, on me dit je spam, mais les adversaires, frère, ça se la donne, hein. Ça se la spam, hein. Il a ICTP. Oh là là, mais je l'ai vu à des kilomètres. Bien sûr, il esquive tout. Et moi derrière, je peux pas esquiver du coup. Le Ki met plus de mains chargées dans l'eau, ok, ça au moins je sais. Mais en fait j'essaye hein. Vous me dites de triangle avec carré, mais je vous jure j'appuie sur triangle, ça fait rien. Je fais des carrés, 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 triangle. La seule chose qu'il fait en fait, c'est soit il met un coup comme ça, soit il met un coup comme ça. Mais les combos, c'est pas des combos de 2021. Les combos, ils sont nuls hein. C'est vraiment, depuis tout à l'heure je le fais. Vous avez pas vu, des fois avec Freezer je fais ça, des fois je fais ça, ou je fais ça hein. C'est juste ça la différence quand t'appuies sur triangle hein. Y a rien, y a pas de combo infini bizarre ou je sais pas quoi. Hein. Il
Mais j'ai juré que tu m'as mis une spé, je t'ai mis une spé maintenant. Oh là là. Tu vois là, regarde, j'ai appuyé sur triangle. Là, triangle, tu vois, il a juste mis un coup de pied en revers. Tu vois, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Ça change rien. J'ai même pas eu le temps de me protéger parce que j'ai balancé un Kikowa, frère. Le mec, il a l'autre bout de la planète. Il m'a dodge toutes mes spies. Je peux pas esquiver, j'ai pas de ki. Spam multi, bah là je suis obligé de spammer parce que sinon je dois recommencer. Là j'étais obligé, je me suis dit, vu ma vie, si je mets pas d'ulti, je vais mourir et je serai pas encore à Piccolo. Qu'est-ce que c'est du... Je vous mens pas là, je suis sûr. Hein. Maintien triangle. Mais maintien triangle, ça fait un Kikowa. Ok, vas-y, tu vas m'attendre. Non mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà un combat qui commence comme ça. Il n'y a qu'en 2006. J'ai juré. Dans aucun jeu que j'ai joué ces 10 dernières années, ça commence comme ça. Ouais, ça commence ulti. T'as même pas de Kikowa pour esquiver, t'as rien. Genre ulti direct, bam. Ah ouais, ça met à bout de nerfs la frustration. Hein. Ah, une vraie démonstration de force là de la part de Budokai Tenkaichi 3. Oh, bien vu, John. C'est mieux là? Putain, son Kikowa, c'était une diversion. Bon, les amis, même si je vais maîtriser un peu, là, j'ai pas envie de recommencer. Il faut que je commence à mettre des ultis parce que faire un combat sans ulti, c'est pas le but. Et je vais juste recommencer pour rien. J'ai pas réussi à esquiver. Faut quand même que j'en glisse un peu. Ouais, il faut que je glisse. Il est en 31. On a réussi. Non. Non, pas encore. Ah, c'est encore en deuxième forme, mais genre il montre, ok. Humanité, d'accord. Namek
J'ai quoi, oh le fils. Il m'a niqué parce qu'en fait, les boules de ki. Non mais regardez ce jeu de merde, hein. La boule de ki, c'était pour me... C'était pour me niquer la vue. Et en fait, je voyais pas qu'il allait lancer une ulti. Donc du coup, j'ai rien vu du tout. Et le Makoko Zappo, et comme j'étais dans l'animation des dégâts du Kikoa, et ben je pouvais pas esquiver l'aspect. Et ça, c'est un ordinateur. Et là, on est en mode normal. Ça, c'est le mode normal, ça. Putain, mais la... Comment le mois de 2006, il a fait... Putain, mais j'appuie pour esquiver, mais ça esquive pas. Il faut que je glisse une ulti. Let's go, il est dedans. Voilà, je donne tout, je suis en train de tout donner là. Je suis en train de tout donner. Oui, mais en fait, il faut le faire avant chaque combo, en fait, James, parce qu'en fait, vous n'avez pas capté. Il faut le faire avant chaque combo. Ça veut dire en fait, quand le combo il commence, il fait une, deux, je dois réappuyer sur rond avec la direction. Si ça n'a pas esquivé, il faut que je réappuie sur rond avec la direction jusqu'à que ça esquive. Les gars, je commence à avoir mal. Hein. Ok, l'île en 31, les amis. Ah, la Piccolo Zarma, t'es nul, hein. Non, mais... Il avait fait une migatée, il a spy... Il a slidé sur le Kikoa de Piccolo pour à la fin se prendre les dégâts. Putain, t'imagines, Migaté, il avait fait ça contre Kefla? La honte. T'imagines la honte? Migaté fait ça contre Kefla au moment de mettre le Kamehameha. Et à la fin, il se prend les dégâts de Kefla. Voilà, la honte, frère. Ah, le bâtard, j'ai vu dans le chat son crâne, il fait Paris-Tokyo à Freezer. J'ai entendu que son front à Lilian, il y a à boire et à manger. Oh, ça se fait pas. Oh, je sais pas qui l'a sorti celle-là dans le chat, mais c'est pas bien, frère. Oh, franchement, je vais lui répéter ça à Lilian, il sera pas content, quoi. Juré que tu as pas lancé ultime, brevet ici. Voilà, je te maltraite. Ok, c'est au tour de Gohan maintenant. Yamelo ! Vas-y, viens, tu veux ta part aussi? Ah ouais, c'est vrai, ça commence avec une spé, j'avais oublié sur Budokai Tenkaichi 3. J'avais oublié. Ça commence avec une spé, tu perds une barre de vie. J'avais oublié. J'ai perdu presque deux barres de vie, hein, au start, hein. Yamero, hein. On est sur un Yamero de Gohan, hein.
Voilà ce grand script là, bien énervé. C'est fait exprès, encore heureux que c'est fait exprès, bien sûr que c'est fait exprès. Ça se voit 2 km que c'est fait exprès, frère. Je vais pas te laisser respirer, mon pote. Reviens ici. Reviens ici, j'ai juré, je te laisse pas respirer, frère. Je me suis mis en full énergie pour t'enchaîner les combos. Ah bon. Tu deviens bon, Shinny. Ça va, ça commence à rentrer. Faut un petit temps d'adaptation. Tu connais. Les gars, j'en suis sûr, sur le froid Freezer, on peut faire une rencontre abonnée. Celle qu'on n'a pas fait l'année dernière à cause du virus. J'ai juré, je crois, j'ai trouvé un nouvel endroit. Je paie le billet train à Lilian, on l'amène à Paname, on fait une rencontre abonnée dans un stade. Je suis trop sur les quotas Lilian, ça c'est pas... On réserve un stade, frère. Freezer forme finale. Freezer, il déchire tous ses durags. Est-ce qu'il peut porter les durags même? Non mais je me venge parce que la dernière fois ils m'ont dessiné sur Gartic Phone. Lilian. Un jour il a fait un Gartic Phone et lui et ses abonnés m'ont dessiné, se sont foutus de ma gueule et tout. J'ai bien joué là, non? Même si le Vegeta, là, il était bouillant. J'ai juré, j'ai l'impression d'avoir bien joué là. Avec le nombre d'esquives, juste il est parti un peu plus loin que moi. Je pensais que... Reviens ici, je t'ai dit. J'ai juré, je te lâche pas, reviens ici. Bon, c'était lourd là ou pas? Banks! Ça y est, ça commence à rentrer. Bon, ça a pris du temps quand même. Mais là, je commence un peu à avoir des sensations là. Là, je sens là que je commence à observer les adversaires. Là, le tir la patate à la leçon. Et ce qui ça commence à arriver là. Ah là 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 là, c'est cool.
Bon, attendez, venons, on se regarde. Merde.